mais du chef de l'État, élu par un collège électoral qui englobe le Parlement, mais qui le dépasse largement de manière à en faire le président de l'Union française en même temps que celui de la République, c'est du chef de l'État que doit procéder le pouvoir exécutif. À lui, la mission de nommer les ministres, et d'abord, naturellement, le premier qui a la charge, lui, de diriger l'action, la politique et le travail du gouvernement. Au chef de l'État, la fonction de promulguer les lois et de prendre les décrets, parce que c'est vis-à-vis de l'État tout entier que ceux-ci, comme celle-là, engagent les citoyens.